Bonjour et bienvenue à la maison des arts martiaux de Meyzieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer une variante du squat. Le squat est vraiment un exercice de base pour le développement des membres inférieurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer le squat bulgare, version unilatérale de ce travail. Le squat bulgare a été vulgarisé dans les années fin des années 80 par un entraîneur bulgare d'haltérophilie, Anjel Spasov. Ça, c'est la petite note historique. Alors, je vais vous montrer le mouvement. Voilà. Un pied surélevé sur un banc. Ne prenez pas quelque chose de trop haut. Plus c'est haut, plus la force va cambrure au niveau du dos et ça accentue les douleurs. Le pied donc en appui sur un banc ou sur un step pour être un peu plus bas pour ceux qui ont des douleurs. Je me prends un poids ou je ne prends pas. Je prends le poids. Je gaine bien les abdominaux, les épaules en arrière. Voilà. Le mouvement de squat bulgare. Le travail unilatéral du quadriceps. Ischio et fessier. Petite variante à ce mouvement, on va travailler en même temps les ischio, quadriceps et fessiers et aussi les obliques. Pour cela, je saisis un medicine ball, je suis en position gainée, épaule droite, et à chaque fois que je descends, je fais une rotation du côté du genou plié. Voilà. Je gaine bien, toujours en arrière. Je fais X répétitions et après je passe à l'autre jambe. Autre variante. Je vais prendre un Swiss ball, je vais poser le pied dessus. Le fait qu'on soit sur quelque chose d'instable force les muscles profonds et stabilisateurs à travailler. Démonstration si je ne tombe pas. Toujours les épaules en arrière, je pense bien gainer, je fais attention au niveau de mes lombaires. Le ballon bouge, ça me force à stabiliser. Dernière variante, cette fois je vais faire intervenir aussi mes deltoïdes. Comment? Regardez, démonstration, je penche, hop! Toujours, le fait qu'il y ait un transfert de poids force mon corps et mes obliques et mes abdominaux à gainer. Hop. Voilà toutes ces variantes du squat bulgare. Je vous conseille de les essayer progressivement. Bon courage, à bientôt pour une prochaine vidéo.